CroisiEurope vous invite en Asie pour participer à une fantastique croisière sur le Mékong. Ce fleuve mythique prend sa source dans les hauteurs de l'Himalaya et va se jeter dans la mer de Chine après un voyage de 4500 km entre le lac Tonlé Sap au Cambodge et Ho Chi Minh Ville. Un bateau de style colonial pour la durée de cette belle aventure. Un bateau de charme sur lequel rien n'est laissé au hasard pour votre confort. Les cabines sont spacieuses. Le personnel bienveillant est à votre entière disposition pour une multitude de services. Et il règne à bord une ambiance tout à fait authentique. Cette aventure asiatique est une occasion unique de vous immerger complètement dans l'ambiance d'un continent fascinant. À chaque escale, c'est un nouveau monde de découvertes qui vous attend. Des sites historiques légendaires, des temples somptueux, des palais d'une richesse inouïe, et partout, des habitants accueillants au sourire communicatif. La région d'Angkor est le centre de la civilisation Khmer, et les temples d'Angkor sont une des plus belles merveilles du monde. Cet imposant site religieux est un véritable trésor archéologique et un des lieux les plus envoûtants et mystérieux du pays. Entre Siem Reap et la capitale Phnom Penh, le Cambodge présente une palette unique de paysages et d'ambiances. À bord de notre bateau, vous serez aux premières loges pour admirer le spectacle de la vie sur le Mékong et sur ses rives. Pour découvrir la vie quotidienne dans les villages le long du fleuve, rien de mieux qu'une visite dans une école et dans quelques ateliers d'artisanat. Comme toutes les villes du sud-est asiatique, la capitale Phnom Penh dégage une énergie formidable. C'est une métropole dynamique et étourdissante, branchée sur le futur, mais qui a su préserver les trésors de son passé glorieux avec fierté. La partie vietnamienne de cette croisière vous fera découvrir d'autres paysages. À mesure que l'on navigue vers le sud, il y a de plus en plus de rizières, et le style architectural des villages est différent. Le delta du Mékong est le grenier à riz du Vietnam. On s'en rend bien compte depuis le sommet du mont Sam. Situé tout près de Chao Dock, c'est une des rares montagnes qui offre une vue dégagée de la région. Que ce soit dans les rues de ces villages ou sur la place de ces marchés, le Vietnam dévoile ses multiples visages entre la frontière cambodgienne et Ho Chi Minh Ville. Pays de tradition où la religion tient une place importante, ces temples sont des lieux de recueillement où règne la sérénité. Votre aventure asiatique se termine à Ho Chi Minh Ville, connue autrefois sous le nom de Saigon. C'est le moment de se lancer dans les rues d'une ville mythique au passé colonial très typique. Ces villes sauront vous émerveiller avec leur incroyable patrimoine architectural et l'ambiance unique qui y règne.